En 1913 a lieu la décade tragique, un épisode tragique de la révolution mexicaine. Victoriano Huerta, soutenu par les États-Unis et par Félix Diaz, le neveu de Porfirio Diaz, s'empare de Mexico et destitue Francisco Madero. Huerta devient le président des États-Unis du Mexique. Les jeunes Turcs, menés par Ismaël Enver, prennent le pouvoir à Constantinople par un coup d'État. Au mois de mai, la première guerre balkanique prit fin avec le traité de Londres. La Ligue balkanique en sort victorieuse et se partage le reste des territoires ottomans situés en Europe. Mais dès le mois de juin, la Bulgarie attaque la Serbie et la Grèce, ses anciens alliés, car elle considère que le partage n'a pas été équitable. La Serbie et la Grèce demandent de l'aide à la Roumanie car ils sont trop faibles pour résister. La Roumanie s'empare de Sofia, la capitale bulgare, et la Bulgarie s'avoue vaincue et signe l'armistice. À la veille de la Première Guerre mondiale, a lieu l'incident de Saverne. Un sous-lieutenant allemand tient des propos humiliants sur les Alsaciens, ce qui provoque une vive contestation de ceux-ci et une des plus graves crises politiques de l'Allemagne. En 1913, le boxeur français Georges Carpentier devient le champion d'Europe des poids lourds.